Bonjour, c'est dimanche 10 janvier, c'est le jour du lancement de mon projet, donc ce soir à 18h et je trouve ça cool de voir aussi vos réactions en direct, mais c'est aussi le jour de l'anniversaire d'Eric, donc je vais commencer cette journée en allant chercher des petites viennoiseries, du pain à la boulangerie. Tu les aimes toi aussi les tubes de maman? J'ai carrément sorti une couette quand je regarde la télé le soir, je commence à cailler, et c'était quand j'étais pas très en forme, je trouvais ça assez réconfortant d'avoir ça sur moi. Allez, j'y vais. C'est d'un calme ce matin. J'espère qu'il reste des pains au chocolat. Bonjour, trois baguettes. C'est bon, j'espère des pains au chocolat. Allez, maman. Allez, sympa cette petite viennoiserie, il était content. Il a commencé comme ça avec cette, sa journée d'anniversaire. Oui, donc là, il est déjà 13h parce qu'en fait, à partir de lundi, ça commence la campagne sur Insta. Donc là, je voulais, comme on est dimanche, commencer à m'avancer, faire des reels sur Insta avec mon nouveau téléphone. Et là, j'ai commencé. Vous savez, à un moment donné, pour ceux qui en font régulièrement, il faut couper les séquences pour que ce soit vraiment synchro. Et en fait, quand je coupe, ça fait tout flou. Donc super, donc je suis en train de regarder ça. Peut-être parce qu'il était très faiblement chargé, donc là je l'ai chargé à bloc, on va retester. Donc aujourd'hui ça va être ça, enfin cet après-midi ça va être ça. Et à 18h, voilà, je suis un peu d'angoisse. Vos réactions, voilà, ce que vous avez pensé. Si jamais vous vous demandez, mais Eric, est-ce que tu lui as fait un cadeau? Alors non, enfin oui et non, c'est qu'on attend, il m'a dit on attend la fibre et à partir de là il faudra que je me reprenne un disque dur pour mon ordi. Donc à ce moment-là ça fera le truc. La couette, ah bah si, je vous ai déjà montré, je vous ai déjà dit pourquoi elle était là. On va manger quand même. Je suis pas au régime, hein, mais j'avais envie d'haricots croquants. On mangera bien ce soir. Bah Eric, lui, on a fait McDo hier, donc il s'est fait tout son reste de McDo. Je viens de faire un câlin à Jack, s'en fout partout. Bon, bah regardez, derrière, il y en a partout. J'ai fait ma vidéo promotionnelle qui sera prête pour demain. Ça prend un temps. Mais vraiment, pour faire une vidéo qui fait 15 secondes, je vais pas aller la voir sur Insta si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Je vais ranger tout mon bordel, ce sera déjà une très bonne chose. Et puis après, je vais attendre, puisque quelle heure est-il? 3h30, la pression commence à monter. Et ce que je trouve super intéressant dans ce projet, c'est surtout que tu ne le vois pas partout. Autant t'as des projets qui sont pas répétitifs mais que tu vois chez beaucoup d'youtubeuses. Il y en avait une qui l'avait fait mais elle l'avait pas commercialisé, elle l'avait pas fait non plus, il y avait pas non plus de déco spécifique quoi, mais ouais, ça qui me plaît vraiment. Et le deuxième projet, sans trop vous dévoiler, clairement je crois qu'il y a personne, non, dans mon format il y a personne. On va tout ranger. Qu'est-ce que c'est lourd à chaque fois et encombrant, tous ces éclairages, les projos, voilà, je tape partout. Tiens, petit visiteur, alors, tu en penses quoi, toi, du projet de ta mère? Ben oui, hein? Maman, elle est un petit peu en angoisse, un petit peu stressée. Ben oui, il faudrait que tu lui fasses des petits câlinots. Ah oui, c'est vraiment un chéri, hein, mais... Tu me fais des câlins, toi. Je fais une pause parce qu'en fait, le projet, la vidéo est sortie, évidemment, à 18h. Et je vous lis, je vous réponds tous un par un. Donc, ça prend du temps. Demain, je ferai... Ah, mais je vous ai dit ou pas? J'ai fait la petite vidéo, j'aime bien. Hein, c'est très sympa pour Insta, je la mettrai plutôt demain. Et quand ce sont les... Comme c'est un cerf d'Eric, quand même. On a un rituel le soir, en général. On demande à personne qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et il m'a dit, bah là j'aimerais bien qu'on commande des pizzas, donc on attend Domino's qui va nous livrer. On en a pris 3, mais à chaque fois il y en a pour le lendemain et tout ça. Donc ça va être très simple, ça va être soirée Netflix dans la salle vidéo avec la couette en mangeant des pizzas. Ça c'est un très très bon programme. Et je vais enchaîner je pense sur la journée de demain, comme ça ça fera, parce que le vlog là il me paraît un petit peu court. Donc bah, je vous dis à tout de suite. Alors, t'étais où? On est le lendemain, j'ai plein de choses à vous dire. En fait, je vous ai quitté hier parce que 18h est arrivé très vite et vous m'avez envoyé plein de messages avec cette annonce et je voulais vous répondre tous. Je reviens toujours pas. De l'accueil que vous avez fait à mon projet, ça fait hyper plaisir. En plus, vous avez... vous commandez en masse parce que je dis... Parce que vous continuez en fait encore ce matin. Vous êtes beaucoup à me dire que ce projet me ressemble, c'était vraiment ce que je...
Je voulais, donc ouais, je suis sur un petit nuage, tellement que 4h30, j'étais réveillée ce matin, je me suis couchée genre à minuit et demi, là je suis éclatée, donc j'attendais, j'ai pas pu me recoucher. Et je m'étais dit, bah ce matin, je vais faire la partie promo sur Insta, parce que avec le réel que j'ai tourné hier, si vous vous souvenez, qui m'a pris du temps. Je l'ai posté un peu, enfin voilà, j'étais pas très très focus, il devait être 8h30, truc à pas faire, faut pas faire ça, faut être concentré. Et j'ai fait une mauvaise manip, je l'ai laissé, je l'ai effacé, après je le retrouvais plus. Il a fallu que je refasse quelques petits montages, que je remette une vidéo, bref. Je me suis dit, bah tu sais quoi, tu enlèves tout et tu feras ça cet après-midi. Donc je me consacrerai à la partie promo sur Insta cet après-midi, parce que là c'est juste pas possible. D'autant plus que là il est presque midi. Eric, quand il bossait ce matin, il bosse pas cet après-midi. Et on s'est dit hier, bon, à midi et demi, on va aller faire les courses là où il y a le moins de monde. Et comme ça, on va être peinard. On va essayer de faire pour soit la semaine, soit 15 jours. Pour être vraiment cool. Mais j'ai pas envie de vous faire un retour de course. Non. Franchement, ça s'y prête pas là. Je vois pas le truc. J'ai reçu ce matin Shein les 6 autres vêtements. Donc en tout, j'en ai 8. Je vais pouvoir vous faire le haul. Je pense que je vous le ferai soit demain, soit après-demain. Donc je vais faire un petit break de vlog. Enfin, break, tu parles un jour ou deux. Un jour, ouais, ou deux. J'aime bien faire des hauls en plus. J'ai une tête, j'ai les yeux, je me dors dessus. C'est pas possible. D'ailleurs, je vois mes cheveux. Ça fait plus d'un mois que j'ai fait la couleur. Ça fait un peu plus d'un mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais peut-être bientôt, prochainement, passer à cette transformation progressive, on est d'accord. Même si je suis un petit peu dans le côté en ce moment, attends, plus tes cheveux se réparent, mais je suis pas certaine quoi. Ce qui les a peut-être aidés, c'est d'avoir mis mon huile de coco et surtout d'avoir coupé tout ce qui était abîmé. Voilà. Donc je vous disais que cet après-midi, je vais me consacrer vraiment pleinement à Insta, la promo, j'ai des mails, plein de trucs à renvoyer, donc pour vous, c'est pas du tout, du tout passionnant. Ah oui! Enfin, décidément, je sais que j'avais plein de choses à vous dire. Vous me posez la question, est-ce que en Belgique ils livrent? Alors oui, parce que je sais que je suis beaucoup suivie en Belgique. Ça fait très plaisir, merci à la Belgique. Et oui, donc ils livrent en Belgique, en Allemagne, enfin ils livrent vraiment dans plein d'endroits. Et ça, c'est vraiment bien. Vous êtes déjà en train de me dire le projet numéro 2. Donc vous avez vu le petit projet et maintenant je vais pouvoir me consacrer au gros projet. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog. Je pense que l'essentiel a été dit aujourd'hui. Je tremble, c'est la fatigue. Vous bougez peut-être. On va se retrouver donc demain ou après-demain pour, je pense, la vidéo Shein. Et puis après, bah, on continuera les vlogs. Bon, bah écoutez, je vous embrasse parce que là, ma main, elle tremble. C'est pas possible. D'ailleurs, ça va vachement mieux. Beaucoup mieux, pardon. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Encore merci, merci. Pour ce très bel accueil que vous avez fait à mon projet. Je vous embrasse. Salut.